Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode incroyable et l'aventure horrifique de Dead Space évidemment. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs de préférence, plongez-vous dans le noir! 4K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. Et on est parti, on n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire et souvenez-vous, ça allait swinguer parce qu'on devait injecter un sérum dans quelque chose d'extrêmement, si je puis appeler ça, de gênant, histoire de tuer une sorte de colosse, voilà. Et on était plutôt bien parti. Désolé si j'ai changé de voix, je suis tombé enrhumé. C'est pour ça que ça n'a pas été facile. Entrée en zéro gravité. Ok, de vous enregistrer cet épisode. C'est bizarre. Ok. Bien. Je ramène tout ici, sait-on jamais. Là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. C'est pour ça que je ne comprends pas. Ok. Bon. Très bien. Si je fais ça, ça ne sert à rien. Donc la seule issue, j'ai envie de vous dire, c'est là-haut. Et la seule issue, c'est la bagarre. Oh, il y a des sortes de pics là. Vous croyez que je peux faire en sorte d'épingler des man ici ou quoi? Je comprends pas. Non, c'est là. C'est là, non? Il y a peut-être un bail à appuyer. Non, connexion perdue. Attendez, je deviens teubé tout d'un coup. On va aller là où il y a la lumière, les amis. Ok. D'accord. Ok, c'est bon, je l'ai. Oh, je me suis chié dessus. Okay. Oh, bâtard. Ok. Et arrête-toi! C'est quoi ce truc vert là, frère? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas pourquoi je peux pas donner une sorte de coup. Bougez pas. Ok. Très bien. J'en ai perdu le sens de tout cela. Okay. Je suis là. Okay. Oh non, toi t'es. Décapsuler la gueule! C'est quoi ce délire? Ok. Bon, écoutez, de toute façon, en soi, je vais être totalement franc avec vous, le problème étant totalement réglé. J'ai mon lance-flamme, j'ai, hop, mon pistolet mitrailleur, donc pas de soucis, je sais ce qui va m'attendre, évidemment. Ça a bien pris mon point là, parce que c'est la merde. Entrée en zéro gravité. Très bien. Quelqu'un voulait me...
me causer. Quelqu'un voulait discuter avec moi. Toi, tu voulais quoi, toi, mon ref? Ah ouais, mon pote. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Toi. Ok. Et toi. Let's go. Allez, on passe à la suite. Next, le siffleur numéro 3. C'est... En vrai, c'était chaud de ouf. Oh putain, ça, je l'avais pas vu. Hein. Lui, il était mieux planqué que les autres. Ok. Ok. On va essayer de voir là-haut ce qui se passe. Entrée en zéro gravité. Ok. Ouais, bon. Comment on va faire là? On va faire comment? Quel est l'endroit de l'envers? Quel est l'envers de l'endroit? Ok, ça c'est assez insane. Je le conçois. Néanmoins, je vais être totalement franc avec vous. Va falloir changer. Ok, va falloir changer. Il y a trop d'armes, j'ai plus de munitions. Ceci équipé, ça va aller à la place de quoi? Ça va aller à la place de ça, certainement. Ça d'où? Je sais même pas c'est quoi. Ça va aller à la place de ça. Voilà, certainement. Et ça, 15. Ça, 7. Oh là là, quel enfer. Ça, on l'a toujours pas utilisé, hein. Ça, on l'a toujours pas utilisé non plus, je crois. Calme. Ok. Oh là là, j'ai pas assez de mun. Où est le truc que j'ai annihilé ici là? Oh les gars. Non non non, là par contre je déconne pas. Voilà. Faut me donner le cadavre là parce que c'est la merde de fou. Ok. On y va. Attendez. Il y a un bas ici, je sais pas c'est quoi. Je vais aller save. Je vais aller save les amis parce que... Là c'est chaud de ouf. On va aller save au calme, superbe. Ça c'est fait. Je peux presque mourir en paix, j'ai envie de vous dire. Bon, les amis. Ah!
D'où il y a ça, frère? D'où ils font des events comme ça, mon ref? Eh, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, et quand c'est trop, c'est... Tropico, oh là là, il y a trop de choses, je sais pas c'est quoi. Il y a trop d'armes. Ok. Allez, on va voir ce qu'on peut vendre, on va voir ce qu'on peut acheter parce que j'en ai aucune fichue idée. Très bien, inventaire. Oh là là, 10 000 $. Ça c'est beau ça. Ça en vrai c'est beau de fou. Qu'est-ce que je peux acheter les potes? Qu'est-ce que je peux acheter? J'ai l'impression que rien n'est suffisant. J'ai des améliorations pour tout, mais j'ai l'impression que rien n'est suffisant. Amélioration du trancheur, du choc laser, du lance-flamme. Et ça fait quoi? Hydrazine gélifié. What the fuck? Ça, ça coûte 12 000, c'est que c'est cheaté un peu, non? Eh, vas-y, les gars, ça j'achète, ça coûte 12 000. Quand ça coûte 12 000, c'est que c'est cheaté. Ok. Ok. Oh là là, le siffleur numéro 5, étant donné qu'on a fait le 4 l'épisode précédent, si vous avez suivi jusqu'ici. Où est le... Je l'avais pas vu ça, c'est incroyable. Où est le courant? Il est juste ici. Très bien. Bon les amis. Ah! Quoi? Pourquoi je me suis chié dessus là les gars? Est-ce que c'est justifié? Siffleur numéro 5, c'est parti. Oh là là. Eh, je suis pas bien. Ok, on s'est arrêté juste ici. Je suis réellement pas bien. Là, ça s'est toujours verrouillé. Oh là là. Isaac, j'ai lu une note de Cross sur... Oh merde. Oh putain. Kendra. C'est lui. Deux portes derrière toi. Pirate. Attends, il est parti. Il m'a fait signer. Désolé, Isaac. Continue. C'était juste un problème avec les caméras. On aurait dit mon petit frère. Ça n'a pas de sens. C'est juste impossible. Il y a quoi là-bas, ça veut dire? Un APT. Il n'y a pas de petit truc, les amis. Ok. Vas-y, je l'embarque avec moi. Allez, c'est parti. Ok. Bon, on peut le laisser là, on peut le laisser là. On va le laisser là au calme. Oh là 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 là! Eh, c'est tendu là, hein. C'est tendu de fou, hein. C'est pas facile, hein, vraiment, hein. C'est une sale ambiance, mon pote! Ça, c'est l'ambiance de la maison, ça! Frérot, par contre, si t'as une ambiance comme ça, j'avoue, ça tombe bien. Oui, bah oui. Oui, voilà. Évidemment, 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 évidemment. Ça, c'est un classique. Bon, bah allez, on va prendre le chemin qu'ils nous ont conseillé, n'est-ce pas? Ça, je l'emmène avec moi, j'en ai rien à péter. Hein. J'ai pas d'amis ici. Hein. Il est pas mort.
fait peur. Oh. Écoutez, je sais pas, j'ai presque l'impression que c'est bien tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on a géré l'affaire. De là à dire que l'affaire est dans le sac, je doute quand même. Ok. Évidemment, le siffleur est là. J'ai peur, hein. J'ai peur de fou, les amis. Hein. C'est peut-être un peu too much. Je viens de m'en rendre compte. Ok. Je suis pas bien, les gars. Oh, des barres. Ok. Je m'en fous, hein. Je vais faire toute la pièce, hein, frérot, hein, comme ça. J'en ai rien à péter. Hein. Moi, j'ai pas d'amis ici. Hein. Ok. D'où l'ambiance, elle devient austère là. Ça, les gars, regardez bien, je vais le toucher, il va se passer un bail. Rien à péter. Les gars, je déteste cette vie, je déteste cette ambiance. Carte d'accès requise. Danger toxique détecté. Ok. Il y a un bail de l'autre côté. Je m'en fous, j'ai le temps d'aller dans l'établi MDR. Ok, allez. On va aller sur le lance-flamme, les amis. Le lance-flamme, j'ai un spécial normalement. Ok. J'ai pas de spécial pour le lance-flamme. Je l'ai pris pourquoi alors? Des coupeurs et le choc laser? Ah, y a moyen. Oh, le spécial est tellement loin. La taille des projectiles. Oh, le spécial est tellement loin. Les lames du découpeur ricochent une fois de plus. Oh, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Vas-y, dégueule, hein. Oh là là!
Mais l'angoisse! Ok les amis, bougez pas, tenue. Je veux de la santé là, s'il vous plaît. Okay. Ça sert à rien, ça sert à rien, rien ne sert, rien ne sert, rien ne sert. On décroche les gars. C'est tellement la merde. Oh là là. Tant que je ne comprends pas ce qui m'agresse, je n'attaque pas. Allez, c'est bon, c'est des petits crottes. Ah. Quoi, mais frère. Pas les gars, je ne sais pas trop ce qui se passe, pour être honnête avec vous. D'accord, ok, c'est fort. Let's go. Je l'avais pas vu, je l'avais pas vu du tout. Danger toxique écarté. Ok. J'annonce, je vais partout, ça brille, je m'en bats les couilles. On aurait dit des fleurs qui éclosent. Putain, les amis, je suis perdu de fou. Problème les gars, j'ai beau avoir la tête à l'envers, je vois pas où est la testicule là.
Attends, et là, il y a quoi là? Je dois aller là, c'est ça? Je comprends pas. Ok. Ok, on va re-save. Il y avait un truc en bas pourtant de la salle, je comprends pas. Ok. C'est dur, hein, c'est dur. Oh. Oh putain, et là on va atterrir de l'autre côté, c'est ça? Ok. Ah! Oh putain, c'était sûr. Oh là là, bah vas-y, baisse bien les munitions, frère. Ça régale même pas, mec. C'est honteux, frère. Ok. Ok. Quoi d'autre? Voilà, j'ai des munitions. J'ai des munitions de rien du tout. J'ai rien. On fait pas une guerre avec des cailloux, les gars. Putain, mais quelle angoisse. Mission de réparation. Okay. Pas ça. Pas voir mon frère mort sur les putains de caméras. Tous ces morts. Imagine ce que serait le monolithe entre de mauvaises mains. Tu parles de la CEC? Je réfléchissais. Si un cadre de la corporation essaie de s'emparer du monolithe, on peut peut-être faire quelque chose. On n'en sait rien du tout. Sérieux? Où est Hammond? Qu'est-ce qu'il fout? Aucune idée. Mais si je me concentre pas, on finira par plus avoir d'air. Ok. Allez, c'est parti. Let's go! Pas bien les amis, hein. Je suis vraiment pas bien. Oh, mais ce jeu est d'une angoisse pas possible. Ça s'arrêtera jamais, frère. Que je dois aller là-bas. Attends, les gars, déjà, j'aimerais me remettre à l'endroit. Oh, je suis perdu. Ok. Là, on est à l'endroit, c'est ça? Attends, je comprends rien. Ah, mais là, j'ai aucune notion de. Impossible de s'orienter, frère. Ok. Là, on n'y avait pas été. Il n'y a rien, c'est bien. Là, il y a quelque chose. Voilà.
c'est ma race parce que là je comprends rien. J'essaye de comprendre, hein, les amis. Je suis désolé, l'orientation c'est très compliqué là. Oh là là. C'est dur les amis. Là j'ai plus rien. Il faut vraiment que je fasse avec des munes que je n'ai pas quoi. Quoi? Oh non la galère. Prions de la galère. Oh, truand de la galère, c'est compliqué. Alerte. Dysfonctionnement des purificateurs thermodynamiques. Éloignez-vous des conduits de filtration. Oh, les gars. On verra ça la prochaine fois. Lors du prochain épisode, j'ai quand même tenté. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt tout le monde. Bye bye. On peut dire que le feu ça brûle.